Bref, salut à tous les gars, c'est Zorki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, vous l'avez vu dans le titre. Scorpion Kick aujourd'hui, on commence sans plus attendre. La première étape pour réaliser un Scorpion Kick, vous sprintez avec le centreur sur un côté. Ensuite, vous allez réaliser un petit centre. Vous voyez que le centreur et le tireur sont à proximité. C'est intéressant de voir que pendant les Scorpion Kick, le centreur et le tireur sont vraiment assez proches. Donc petit centre en direction du tireur. Et ensuite, donc vous maintenez L2 sur PS4 ou LT sur Xbox. Et vous tirez donc en maintenant le joystick gauche dans la direction du but. Donc vous orientez le joystick gauche dans la direction du but. Vous tirez, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche de tir. Et vous réalisez, si vous avez un peu de chance, ce Scorpion Kick. Je vous laisse donc juste pour le plaisir des yeux quelques exemples en match de ce que peuvent donner des Scorpion Kick. A noter que comme dans le corner rentrant que j'ai présenté, il faut quand même pas mal de chance. Donc entraînez-vous, surtout essayez ce Scorpion Kick. C'était Zorki, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une nouvelle série arrive très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Peace!